son nez, le trône est sans roi. Fatale destinée par l'oracle annoncé. Arrache-les, loin de toi, attends dans l'ombre et l'heure viendra. Sonic le rebelle, Sonic le rebelle. Ils se jurèrent de retrouver leur mère. Au fil des ans, ils s'instruisent et défendent la justice et la liberté. Et la mère tant cherchée entend leur voix. Est-ce l'heure, saurais-je en moi, si la prophétie se réalisera. Sonic le rebelle, Sonic le rebelle. J'aimerais voir mes enfants, mais j'attends à demain. Ce athée risquerait de forcer leur destin. Ils se jureraient de retrouver leur mère. Sonic le rebelle. Il suffit quelquefois de reculer d'un pas pour s'apercevoir qu'on est allé trop loin. Dans le cas de Manic, cependant, ce simple pas pourrait correspondre à une chute vertigineuse dans un puits sans fond. Dégagez, laissez passer le service des contributions directes de Robotnik. Elle ou voit, tu ne crois pas que c'est un crime de reverser au docteur tous ces impôts qu'on a tant de mal à encaisser? Malheureusement, dire, le docteur Robotnik nous ferait jeter au cachot si nous mettions les redevances du duc dans notre escarcelle. À moins de s'y prendre autrement, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui porterait le chapeau alors qu'on prendrait le magot. Que des courants d'air là-dedans. Hé, hey, tous là, plaignez-vous de la délinquance juvénile avec ce genre de provocation? Ça, c'est déjà mieux. On dirait que les affaires reprennent. Rends-nous ça! J'en parlerai à mon cheval! Rattrapez-le, crétin! Quoi qu'on n'ait jamais si bien servi que par soi-même. Sonic, attention devant toi! Comme si c'était fait! Ça va! Demi-tour et à fond sur le champignon! Une bande de schmottes me court après! On peut savoir en quoi ça nous regarde? Ah voilà! Durdur et nous voit te courir après? En ce cas, compadre, les insurrectionniques sont à ton entière disposition! Accrochez vos ceintures! L'insurrectionnique? Quelle aubaine inattendue! Prends le manche, Manic! Je vais m'occuper de notre gros loulou! Hé, hey, mon loupio, tu peux pas aller plus vite avec ta trottinette? Assez vite pour m'emparer de toi, hérisson! T'as intérêt à t'accrocher aux branches! Oh non! Ah! Décollage réussi, trajectoire conforme au plan de tir! Ah! Et retour au sol comme à la parade. Et voilà, Malik, je te présente ma bande de potes! Man, tu peux pas savoir tout ce que ça me rappelle. Jette un coup d'œil sur ces voyous de bas étage. Oublie l'œil et tends l'oreille, Sonia. Il pourrait se joindre à notre groupe chez le duc ce soir pour son grand bal masqué. Je t'arrête tout de suite. Maman assistera peut-être à ce bal sous un déguisement. Si elle voit un instrument bas de gamme comme l'accordéon dans notre orchestre, c'est sûr qu'elle va nous répudier. Ne quittez pas les oranges des yeux, monsieur dame. Parce que la main est, quoi qu'on en pense, plus rapide que les yeux. Oh. Ah, doucement les basses. Excusez-moi, oh. Vous avez perdu quelque chose. Je regrette, je ne voulais pas vous embarquer dans cette galère, les copains. Y a pas de lézard, Max. Peut-on déposer monsieur quelque part? Les insurrectionniques viennent de partir, mais interrogation. Pourquoi s'associent-ils à de jeunes marginaux? Et plus capital encore, comment serait-il possible d'inverser ce curieux phénomène à notre avantage?
Ben, on pourrait peut-être... Infiltrer cette bande de petits voleurs boutonneux pour le savoir? Réflexion brillamment menée, Dur-Dur. À partir de maintenant, tu es Enduro, un petit voleur à la tire, mais grand manipulateur devant l'éternel. Eh, c'est une bonne idée. Je le trouve sympa, cet autre moi. Malheureusement, étant donné que tu auras toujours du mou de veau à la place du cerveau, je resterai à l'écoute des événements et je te soufflerai tes moindres paroles. Alors file à temps que l'un de ces petits monstres te mette en orbite. Je déciderai alors si je m'empare tout de suite des insurrectionniques ou si je les garde pour un meilleur emploi. Mais les gars, comment voulez-vous qu'on le rende? On ne se rappelle plus à qui on l'a piqué. Non, écoute, Maxou, Sonic a raison. C'est pas bien de voler. Je le sais, je suis passé par là. Quand tu m'auras dit comment s'en sortir autrement, je serai ton homme. Mais d'ici attends, là... on chante au bal masqué du duc ce soir. Peut-être qu'il vous donnera un coup de main, qui sait. Là, tu commences à être intéressante. Peut-être qu'avec Clifton et Allégrin, on pourra envoyer la musique avec vous pour que le duc juge de la marchandise. Malheur, j'aurais encore mieux fait de me taire. T'es dur, non? Il faut reconnaître, il ne joue pas si mal. Attention, l'enduro, ça va être à toi. Yo, mon pote, où t'en es? Ben, je suis allé faire des coms chez le marchand de fruits. T'as oublié le plus important. Et ça, c'est de la manip? Où est-ce que t'as appris à faire ça? Garde la monnaie. Qu'est-ce que tu fais pour t'éclater alors qu'il est? Eh ben, je zone avec mes copains. Tu veux venir? Faire ça ou peigner la girafe? Faire ça ou peigner la carafe? Exactement comme prévu. Quand j'étais encore dans la course, je faisais le super coup de l'éternuement pour lever les colliers de perles. Bravo. On essaie de réinsérer ces jeunes-là et Manic leur ouvre le manuel du parfait petit malfaiteur. Alors, démonstration. Achou. Oh, excusez-moi, madame, je l'ai pas fait exprès. Attendez que je nettoie les bavures. Et voilà le travail. On dirait que Manic Boy n'a pas perdu la main. Alors là, je te lève mon chapeau. Ça a vraiment rien de rare, mais c'est pas mal. Ouais, ben je manque un peu d'entraînement, c'est vrai, mais essaie déjà d'en faire autant, toi. La rigolade pour lui. J'ai jamais vu de chou-raveur de ce niveau-là. Les copains, l'enduro en personne. Ouais, c'est moi. Plus on est de fous, plus on rit, il paraît. Alors, bienvenue à bord. Et rien que pour t'emboucher un coin, on va jouer chez un duc ce soir. Et en plus, avec les insurrectionniques. Ça résonne comme une douce mélodie à mes oreilles. Rambo, suivez-moi. Je vais être riche et les insurrectionniques se retrouveront sur la paille. Et Manic, on laisse tomber les cours de piquage particuliers et on leur montre ce qu'ils doivent jouer au bal, ça te va? Ok, no problemo. Mais tout ça, c'est comme un retour en enfance pour moi. C'est précisément ce qui nous inquiète pour toi. Un trop long séjour hors limite pourrait te conduire en prison. C'est encore eux. Louvois et ses remoches. Comment nous ont-ils retrouvés? À l'attaque! C'est à moi de le savoir et vous, vous ne le saurez jamais. Ok, merci du renseignement. Couloir secret, me voilà! Un petit air de guitare. Ils ont encore réussi à se sauver. C'était le but recherché. Car à présent, Enduro, l'heure est venue de passer à l'acte final de la tragédie Sonic. La bande sera neutralisée, tandis que les deux vaillants receveurs d'impôts du docteur Robotnik, nous-mêmes, fileront avec l'or du duc de Velchronia. En douceur. Ben dis donc, ça c'était de l'équipé sauvage. Ne me remercie pas, c'est le Sonic Tourbillon Express qui a tout fait. Eh oh, le duc nous attend dans 2 minutes pour les raccords de son. Manic, tu branches les nouveaux du groupe pendant notre absence. Bon pour le rock, amigas y amigos. Et c'est parti. A plus, compañeros. Vas-y, Max, embraye. Un petit instant, où est passé l'enduro?
Ouais, et ben c'est pas parce qu'il m'a gonflé que je dois le laisser entre les pattes de Louvois. Ouais, l'intention est bonne, mais... Je suis assez grand pour me tirer d'affaire moi-même. L'Endurant, comment t'as fait pour échapper à cette armée de robots? Ouais, les vrais chefs comme moi, ça se pose pas de questions, ça agit, un point c'est tout. Waouh! J'admets que tu l'as joué fine, mais reste à savoir, qu'est-ce qu'on fait là? On jase ou on jase? Il y a pas 36 solutions au problème. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 2. C'est méga dommage de donner tout cet or à Robotnik pour payer ses éternelles redevances. Si je refuse, il me fera jeter dans ses geôles. Et toute l'action secrète que vous menez pour la cause grâce à vos moyens puissants disparaîtrait. C'est pour cette raison que j'ai placé tout cela sous garde électronique. Je tiens à m'assurer que personne ne touchera mon capital liberté. Il m'est donné qu'aux nobles érudits et aux grands humanistes de savoir que le chili hot dog est le meilleur ami du hérisson. De certains hérissons. Dick, êtes-vous là? On a intérêt à se mettre aux abonnés absents. Je voulais simplement m'assurer que mon argent était prêt. Vous voulez dire l'argent du docteur Robotnik? Bien sûr. Mais ne l'oubliez pas, l'autorisation de donner un bal annuel est exceptionnelle. Et parce que vous êtes un honnête contribuable... Je vais donc m'apprêter si vous n'y voyez pas d'inconvénient pour cet événement d'exception. Yeah! Relax, Max. Oh, le moment est venu de passer à des affaires beaucoup plus sérieuses. Tu dis n'importe quoi, l'Enduro. Qu'est-ce qu'il y a de plus sérieux que la musique, hein? Ramasser une fortune pour la cause des combattants de la liberté te semblerait dans la tonalité? Là, y a pas de discussion. Oh, alors écoute, quand j'ai filé entre les pattes de Louvois, je l'ai entendu parler d'une énorme redevance que le duc doit lui verser. Mais si on la fauche, c'est le duc qui va avoir des problèmes. Et pas si on attend que Louvois la rafle avec ses petites mains. Ah, là, c'est lui qui sera dans la panade. Ah ouais, je commence à aimer ta façon de parler. Réponds-lui tout ce que j'aimerais savoir. Tout ce que j'aimerais savoir, c'est si un petit gars comme toi serait vraiment à la hauteur. Eh ben vas-y, mets-moi à l'épreuve. Si tu arrives à franchir le système de sécurité de la salle au trésor et à le prouver en ramenant une simple petite pièce de monnaie sans aucune valeur, là alors, je saurais que je peux te faire confiance pour réaliser le gros coup. Hey man, je suis prêt à tout pour aider la cause des rebelles. Hey Max, je compte sur toi pour me couvrir. Comme un chef d'orchestre sur sa baguette. Bien joué, Durdur. Maintenant qu'il a gobé l'hameçon, le hérisson va faire tout le service et payer l'addition pendant qu'on digérera le festin, toi et moi. Insurrectionnique, place au rock'n'roll! Alors, des nouvelles de maman? Rien pour l'instant. Prêt? On y va! Navré pour l'accordéon, maman. Et en avant la musique! C'est parti, tout le monde danse jusqu'au petit matin. Le son du violon va nous mettre de l'embrun. Taper des pieds, battre des mains, comme au temps des Acadiens. On a une batterie qui donne le tempo cajun. Un violon de Louisiane qui gratte son gragrin. Un accordéon qui soutient, comme au temps des Acadiens. Comme aux hirondelles, musique tu me donnes des ailes. Avec toi la vie est belle, musique jungle. C'est parti, tout le monde dort jusqu'au petit matin. Le son du violon va nous mettre de l'entrain. Taper les pieds, battre les mains, comme au temps des Acadiens. Wow, comme au temps des Acadiens. Oh, ouais, ça roule ma poule, il a débranché le système d'alarme. Et un petit instant, on a prévu de piquer l'or à Louvois, pas au duc. Ouais bah vous le piquerez quand je vous dirai de le piquer. Nous nous sommes mal compris, c'est moi qui donne les ordres.
Laissez-moi qui les exécute. Alors mettez-vous dans la tête que vous allez embarquer le trésor, sinon c'est moi qui vous défonce. Quel merveilleux spectacle. Félicitations. Les enfants, faites savoir autour de vous que dorénavant, vous aurez un toit pour vous abriter. C'est génialissimo. Vous m'avez, semble-t-il, donné l'assurance que les fonds étaient disponibles et bien à l'abri. Qui l'a invité, celui-là? Ce n'est pas moi. L'argent est disponible et vous l'aurez. Veuillez quitter ma demeure sur le champ. L'argent n'est plus disponible. Les insurrectionniques s'en sont déjà emparés. Oh. Gendarmes, fouillez ce hérisson. Hey. Manique! Tu n'as pas honte? L'autre question qui se pose, c'est où a-t-il caché tout le reste? Il n'y a pas de reste. J'ai pris cette pièce par simple défi. Nous le récupérerons. Je n'ai pas le cœur à le dire, mais tu nous as mis dans le bain. Mais d'ici là, Duc, vous devrez payer la totalité de vos redevances. Mais je serai ruiné après. C'est à vos petits amis qu'il faut le dire. Gendarme, conduisez tous ces ingrats à la prison municipale. Je crois que nous serions beaucoup plus utiles au soleil qu'à l'ombre. Je suis en harmonie avec cette constatation. Tu crois que Manique disait la vérité? Qu'il a agi par défi? À cause de ces gamins. Ils ont fait replonger notre frère dans la nostalgie du méfait. Range ton 33 tours. Manique serait le premier à te dire que ce qu'il a fait, il l'a fait de son plein gré. Je regrette, les gars. Sonic a raison. Qu'on le veuille ou non, Manique vous a fait rater la chance d'avoir un toit. En y réfléchissant, si on retrouvait l'argent et si on remettait le duc à flot? Oh, où a bien pu passer tout cet argent? Et puis quelle importance! Je dois reconnaître que tout a raté à cause de moi. Je n'arrive pas à croire que Manique nous ait doublés. Plus de toit pour les copains. Le duc dans le pétrin et le sous-marin insurrectionnique envoyé par le fond, c'est... Quelle situation extraordinaire! Ce gros malin de Manique s'est tapé tout le boulot! Et maintenant, on est riche et il est au placard. Louvois, bravo! C'est le plus beau coup fourré de ton histoire. Je dois ajouter, Enduro, que tu as été pas mal noplé. Ouais, attendez qu'on vous balance aux flics! Voulez-vous me dire qui prêtera attention aux dires d'une bande de tire-laine au berceau? Hey, tout le monde! Max nous a filmé au caméscope! Attrape-le! Sonic! Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de comprendre où est passé l'argent du duc. Je suis sûr que ça va t'intéresser. C'était un coup monté. Louvois et Durdur raflent la mise. Et c'est Manique qui joue perdant. Il est là. Ne le laisse pas s'échapper. Dans ces cas-là, il faut passer la surmultiplier. Hé Manique, fais ton pactage, on va te sortir. Hein? Maintenant qu'on connaît la vérité, moi aussi je veux dédouaner Manique. Mais les gendarmes vont nous tomber sur le poil. Et alors? C'est ce qui est prévu au programme, non? Oh les gars, je sais pas quoi vous dire. Tu le diras plus tard. Pour l'instant, en voiture. Je vous remercie de m'avoir libéré, mais c'est pour voir le paysage que tu traînes comme ça? Non, pour que tu sois réhabilité et que le duc revoie son argent. Tout le monde descend! J'ai failli attendre! Vite, il faut planquer le magot, récupérer la cassette vidéo et... Ah, bonjour, messieurs les gendarmes!
Comme vous voyez, grâce à notre talent de détective, Durdur et moi-même avons récupéré l'argent volé. C'est une situation extraordinaire. Ce gros malin de Manique s'est tapé tout le boulot. Et maintenant, on est riche et il est au placard. Louvois, bravo, c'est le plus beau coup fourré de ton histoire. Je dois ajouter, Enduro, que tu as été pas mal non plus. Comment allons-nous expliquer ça au docteur Robotnik? J'aurais dû savoir qu'on ne doute pas d'amis comme vous. Cela vous englobe tous. J'espère que notre nouveau foyer vous plaira. Cette bonne fortune, tu l'as pas volée. Tu l'as gagnée à 100%. T'as raison sur toute la ligne, Manic. Mon passé de chou raveur est mort et enterré. Dès maintenant, je passe dans l'autre camp, combattant de la liberté en long, en large et en travers. On est sur la même longueur d'onde. Et maintenant que la situation s'est clarifiée, on passe à surmultiplier.